Bonjour à tous, je vais vous montrer comment démonter le feu de brouillard avant sur BMW E90. Alors pour cela il faudra enlever le garde-boue pour accéder aux vis de fixation qui sont derrière. Donc c'est pas très pratique mais on n'a pas le choix. Donc j'ai enlevé la roue, on a un bon accès maintenant pour enlever cette vis. Donc là, 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 ici, là, là, et encore une dernière. Donc c'est toutes du 8 sauf celle-là qui est en 10, celle en plastique. Désolé, j'avais zappé deux vis, il y a aussi celle-ci et celle-là. Je pensais que le garde-boue s'arrêtait ici, en fait il fait l'angle jusque sous le pare-choc avant. Donc voilà, ces deux-là ont enlevé en plus, donc en tout on en a 9 plus celle en 10. Bon, pour l'enlever, je ne sais pas s'il y a une méthode particulière, je vais juste voir comment ça se décroche. Ça va, ça vient assez facilement. Bah, demain, ça vous sera encore plus facile. Ok, bon, voilà. Tac. Voilà la pièce dont je vous parlais qui passe en dessous. Une fois que c'est fait, on a accès à l'anti-brouillard qui est ici. Donc là, avec sa prise, il y a trois vis en 8. Une là et deux là. Ça c'est la vis de réglage mais elle est accessible de l'extérieur pour régler l'inclinaison du feu de brouillard. Et alors si vous avez besoin de changer l'ampoule, c'est très simple, vous tournez comme ça un quart de tour, vous sortez l'ampoule. Pour la remplacer donc il faut la sortir de la prise, donc il y a deux ergots à appuyer. Mais malgré quand on appuie ça ne suffit quand même pas à les sortir de ces petites pattes de verrouillage. Donc, je fais levier avec un tournevis. Voilà. Et ça, c'est toute cette partie que vous remplacez. L'ampoule, elle fait partie de l'ensemble. Elles sont scellées dans la partie connexion. Donc, après, vous prenez votre neuf. Faites attention à ne pas toucher la partie en verre. Si c'est le cas, essuyez-la. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, vous le recliquez tout simplement. Voilà. Une fois que vous aurez enlevé les trois vis, vous allez pouvoir retirer l'anti-brouillard vers l'intérieur. Voilà, aussi simplement que ça. Et pour le remettre, eh ben, vous l'alignez. Il y a un petit ergot en plastique là qui se met dans le trou là, pour l'alignement. C'est très simple, vous revissez, veillez à ce que ce soit bien branché et vous remettez le passage de roue et le tour est joué. Donc ouais, effectivement le coût du passage de roue c'est pas génial mais ça reste quand même faisable. Prévoyez un petit peu de temps devant vous et puis surtout c'est en faisant qu'on fait. Donc je vous souhaite bon changement, démontage de votre anti-brouillard et à la prochaine.